Son fils fut le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais quand nous lisons bien le texte, avant le verset 29, il y a le verset 28 qui dit « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. » Ça veut dire déjà que là, l'apôtre Paul plante le décor en montrant que parce qu'il y a une prédestination, parce qu'il y a un appel, alors il y aura des turbulences. Mmh. Donc ces turbulences sont rattachées au fait qu'il y a un mandat divin qui repose sur nos vies et sur nos destinées. Mais Dieu est tellement intelligent, dans sa sagesse élevée, dans sa sagesse simplement au-dessus de toute autre sagesse, il va faire concourir tous ces événements qui peuvent à l'apparence être douloureux, qui peuvent être à l'apparence des événements considérés même comme étant des malédictions adressées sur notre vie, afin que ces événements-là concourent effectivement à notre bien. Et c'est Jésus, il le dit aussi, il dit, vous aurez les tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mmh. Beaucoup de chrétiens ne savent pas gérer justement les moments de tribulation, les moments d'épreuve, les moments de défi, les moments de trahison, les moments d'abandon, les moments où les choses semblent ne pas marcher comme on veut que ça marche. Beaucoup de croyants ne sont pas armés dans leur âme pour faire face justement à ce genre de défi. Et même beaucoup de leaders chrétiens dans le corps de Christ. Un jour, le Seigneur m'a dit, la vie de Dieu, vous l'avez dans votre esprit, mais la victoire, vous l'obtenez à partir de votre âme. Donc, il est important que l'âme soit armée. C'est l'âme qui décide, c'est le ciel des émotions, le ciel des décisions. Ne pas abandonner, c'est une décision. Même magnifier une tribulation, c'est une décision. Parce que vous pouvez vivre des moments difficiles et vous passez tout votre temps à avoir le regard fixé sur l'adversité au lieu de célébrer une victoire qu'il y a de l'autre côté. Ça, c'est un choix. Donc, on doit éduquer l'âme, justement, à vivre victorieuse, même au moment des tribulations. Voici ce que je choisis de rassurer, ça c'est à mon âme. Les bontés et les fidélités de l'Éternel ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est un choix. Mais hélas, beaucoup de croyants ne sont pas éduqués à mener leur âme à choisir justement ce qu'on médite, ce qu'on accepte de rassasier et ce qu'on rejette. Parce que moi, je ne sais pas s'il y a un homme de Dieu qui a vécu des moments aussi de turbulence comme moi. J'ai vécu des choses incroyables. J'ai été arrêté par des personnes qu'on a envoyées à mes bureaux pour aller m'assassiner et il fallait revenir dans les mêmes bureaux après que Dieu m'ait délivré de la main de ces personnes de façon extraordinaire, revenir, connaître quelle était la personne qui les avait envoyées et continuer d'aimer la personne, continuer de prêcher dans la ville comme si de rien n'était. J'ai été victime des trahisons les plus extraordinaires. Mais j'ai appris une chose. Toute chose qui arrive, quel que soit ce qui arrive à ma vie, ma réaction est toujours, j'attends de voir comment est-ce que Dieu va faire concourir cet événement en ma faveur. Parce que dans tous les cas, tout ce qui arrive à un croyant, c'est jamais pour le détruire. Jamais pour le détruire, c'est toujours pour le bâtir. Et c'est justement pour ça que nous devons savoir que ces événements vont arriver et nous devons avoir la bonne attitude quand ces événements douloureux vont arriver dans nos vies. La Bible déclare, et David l'a dit, lorsque tu passeras par l'homme de la vallée de la mort, ne crains aucun mal. Okay, donc, je ne crains aucun mal car ta houlette et ton bâton me rassurent. Il y a donc là l'autorité divine, il y a la direction divine. Si nous sommes avec Dieu, quel que soit ce qui arrive, nous devons justement savoir que ces événements sont là pour concourir à notre bien. Hier, tu, prophète Jérémie, tu parlais de l'histoire de Joseph. Joseph n'a pas demandé à naître, il est né. Et il est dans sa famille. Il n'a pas demandé à avoir une vision. Il a eu une. Il raconte à ses frères. Une deuxième, il raconte. Quoi de plus normal pour un frère de raconter à ses frères ce qu'il vit comme expérience surnaturelle. Mais à cause de ce qu'il a raconté, ses frères l'ont détesté. Mais maintenant, ses frères ont décidé de mettre fin à la vie de Joseph. Mais il y a eu parmi les frères quelqu'un qui dit non, à quoi ça sert de le tuer? Il y a toujours quelqu'un qui est là et qui l'a préservé. Il est allé dans la citerne. Et dans la citerne, on l'a vendu. Quand on a vendu Joseph, Joseph avait une vision. Ce n'est pas lui qui était l'auteur de la vision. C'est Dieu qui a donné la vision. Donc aussi longtemps que la vision que tu as vient de Dieu, je te garantis, tout ce que tu vas traverser sont en fait là pour t'aider à atteindre l'objectif que Dieu a assigné concernant ta vie et ta destinée. C'est incroyable. Quand j'étudiais la vie de Jésus, il a choisi ses 12 disciples. Il a choisi Judas. Il n'a pas. Et Judas devait le trahir parce que ça faisait partie du plan. Si Judas ne l'avait pas trahi, il ne serait pas allé à la croix. Donc il faut toujours autour de nous des événements qui arrivent, qui vont à l'apparence être des moments très douloureux, des moments très difficiles, mais qui à la fin vont révéler une gloire qui était cachée au travers de cette tribulation. Et nous devons être préparés justement à les vivre. Quand Joseph arrive en Égypte,
Il y a une vente aux enchères, il est avec sa petite culotte, et puis on vend aux enchères, mais il pouvait être acheté par n'importe qui. Mais ce jour-là, Potiphar était là. Pourquoi Potiphar était là? Parce qu'il fallait qu'il arrive dans la maison de Potiphar. Lui, il ne comprenait pas, mais toute chose autour de lui était en train de travailler pour amener Joseph à l'accomplissement, à la manifestation, à la réalisation, à l'aboutissement de la vision que Dieu lui avait montrée. Donc Dieu est le premier responsable de l'orchestration qui se met tout autour pour que la destinée, qui nous est, le mandat qui nous a adressé, la destinée prophétique est la nôtre, puisse être accompli. C'est Dieu qui le fait. Chez Potiphar, tout allait bien. La maison prospérait. C'était extraordinaire. Et tout le monde était content de Joseph. Il était un intendant fidèle. Potiphar lui avait tout donné dans la maison. Mais il se trouve que la femme de Potiphar, encore la femme de Potiphar, est tombée amoureuse de Joseph. On peut dire, bon, peut-être c'est ton sort. Imaginons Joseph, quand le mari rentre de soi et que la femme accuse en disant, il a voulu me violer. C'était incroyable. Cette accusation-là, ça pouvait être terrible pour l'âme de Joseph. Il n'a rien fait. Et ça fait deux fois de suite que Joseph a des problèmes. Il est trahi par ses frères. Il est trahi par la femme de Potiphar, alors qu'il était fidèle. Voyez-vous, il pouvait être découragé. Il pouvait avoir envie de se suicider en disant, bon, on t'a bien dit, tu ne seras jamais rien. Si tes frères te rejettent, si même là où Dieu te fait prospérer, il y a encore une accusation, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Il y a beaucoup de personnes qui concluent trop tôt. Là, notre destinée, c'est comme on livre. Les événements que nous vivons, ce sont des chapitres. Il ne faut jamais mettre un point final quand ce n'est pas... Non. Il faut savoir qu'il y a d'autres chapitres. C'est précurseur. Ce sont des choses qui ont été écrites d'avance. Comme j'aime à dire, si on rejoue, je revois la Coupe du Monde aujourd'hui à la télé, ce n'est pas une autre équipe qui va la remporter. C'est la France, parce qu'elle a déjà gagné. C'est quelque chose qui est écrit d'avance. Tu es déjà vainqueur d'avance. Dieu a déjà réservé, il connaît la fin. Donc il te met là comme acteur pour que tu collabores avec ses desseins parce qu'il l'a connu d'avance. Il t'a prédestiné, il t'a appelé. Et la Bible dit, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Beaucoup de personnes aujourd'hui disent, oh, nous sommes bénis par les messages de cet homme. Mais ce que j'ai vécu, ce que j'ai souffert, ce que j'endure, c'est juste incroyable. Mais j'ai appris à dépendre de la fidélité de Dieu. J'aime à dire, la révélation la plus extraordinaire que j'ai dans mon cœur, c'est la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu ne ment pas. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il est l'auteur du plan. Oui, il est l'architecte et le constructeur. Ça veut dire qu'il a dessiné le plan et il vient réaliser le plan par nous. Ce n'est même pas nous, c'est lui. Donc, il faut simplement lui faire confiance et lui permettre d'aller jusqu'au bout du process. Imaginez, Joseph est amené en prison. Il est dans une enfermé avec les prisonniers. Et il n'a rien fait. Chacun raconte quel est son forfait. Quand Joseph va dire aux autres, j'ai rien fait, il y a beaucoup qui ne croient pas. Même les informations des journaux, on dit, Joseph est envoyé en prison, l'intendant de Potiphar a voulu violer sa femme. Ce sont des faits divers. Imaginez l'âme de Joseph. En ce moment précis, tout le monde, personne contre lui, personne ne peut dire, il n'a pas tort. C'est quand même le chef d'état-major de l'armée du pays qui t'accuse d'avoir violé sa femme. Il y a le vêtement entre les mains de la femme de Potiphar comme preuve. Mais vous savez, souvent nos vêtements peuvent parler contre nous, mais il faut faire attention. Dieu est celui qui détient le vrai vêtement. Notre identité, c'est Dieu qui la donne. Les gens peuvent avoir peut-être pris une histoire et mis entre leurs mains pour dire, c'est lui, tu as fait telle chose, mais ne t'arrête pas à ça. Dieu est celui qui justifie ceux qui l'appellent. Le temps de la justification arrivera, ça peut durer longtemps. Joseph est en prison. Il y a l'histoire du panetier, de l'échanson qui raconte leur vision. Et puis après, l'échanson est rétabli dans ses droits. Il arrive, il oublie Joseph. Joseph a dit, souviens-toi de moi. Mais le temps n'était pas arrivé. Deux ans plus tard, quand le temps de Dieu arrive, quand la main de Dieu décide d'entrer en action, quand Dieu décide que le temps marqué est arrivé, pour que justement la justification éclate et que la restauration soit accomplie, alors il y a des choses incroyables qui se produisent. La Pharaon en rêve, personne, les mages, tous les gens tout autour de lui, tous les savants de son royaume, personne ne trouve une explication. Pourquoi? Parce que Dieu a voilé l'intelligence de tout le monde. Et là, les chansons qu'il avait oubliées se souviennent. En prison, il y a quelqu'un qui avait interprété mon rêve. Donc, pendant les moments d'adversité, il faut être fidèle à Dieu. Même s'il faut continuer de faire ce que tu sais faire habilement. Tu prêches la parole, prêche-la. Tu enseignes. Tu as le don de guérison, continue de prier pour les malades. Même si tu as l'impression que les gens t'ont abandonné, c'est toujours au travers de ton don que Dieu va orchestrer une connexion surnaturelle pour la restauration et le rétablissement de ta dignité. En fait, parce qu'il faut souvent aussi que dans ce processus,
Dieu t'amène à mourir à toi-même. Il y a des épreuves qui arrivent pour justement t'amener à ne plus avoir une autre opinion de ta propre personne. Dieu va utiliser toutes ces circonstances de la vie, toutes ces tribulations pour ton bien, pour que tu sois façonné, que tu sois entre ses mains l'instrument qu'il veut utiliser pour révéler sa gloire. Et donc quand il arrive devant Pharaon, et ça c'est une belle histoire, je l'aime beaucoup, il arrive devant Pharaon, il interprète le songe, et puis Pharaon lui demande, mais qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il dessine lui-même, c'est-à-dire le CV de la personne qu'on doit recruter, et le CV correspond à son profil. Lui-même que dessine, il dit, voilà, trouver un homme sage qui va venir gérer tout ça, et puis il lui dit, mais qui d'autre va trouver d'aussi sage que toi? C'est ainsi qu'il est établi premier ministre. Mais ce jour-là, au journal de 20h, quand il y a le grand 20h, quand il y a le grand journal, en prison, les collègues qui étaient à côté regardent la prison, les journaux, et à la télévision, le journal, et c'est Joseph qui est nommé premier ministre. Personne ne croit, mais en un instant, Joseph est nommé premier ministre. Imaginez, les honneurs militaires lui sont rendus par Potiphar. Donc, c'est-à-dire, il est au-dessus du gouvernement. Donc, la femme de Potiphar, ce jour-là, elle-même, elle l'a dans les tribunes. La personne qu'elle a accusée est devenue son patron. Vous savez ce que Dieu est capable de faire? Extraordinaire. Je suis en train d'appeler dans ta vie aujourd'hui par la puissance de Dieu, la restauration. Au nom suprême de Jésus, que Dieu te fortifie dans ton homme intérieur. Oui, que ton âme, tout ça fortifié dans ton âme, fortifié dans ton cœur. Que Dieu te donne la force de tenir contre les mauvaises accusations, les fausses accusations, contre les tribulations, contre les défis, contre toutes ces choses qui ont pointé le doigt sur ta personne alors que tu sais que tu ne les as pas fait. Ferme ta bouche, reste calme. Celui qui t'a appelé va te justifier. C'est Dieu qui justifie. Ferme ta bouche, tu n'as pas à te justifier. Le Dieu que nous servons est extrêmement fidèle. Les gens t'accusent. On voit ta prospérité, on voit ton rayonnement. Les gens te taxent d'être quelqu'un peut-être matérialiste, de manipulateur, alors que toi-même tu sais que ce n'est pas ce que tu fais. Reste calme, Dieu va te justifier. C'est lui qui justifie ceux qui l'appellent. Cependant, c'est peut-être pas à ton heure, c'est peut-être pas maintenant, peut-être que le temps s'écoule, mais continue de rendre grâce à Dieu. Je te garantis, lui qui a commencé cette belle et glorieuse œuvre en toi, il saura la parfaire. Cette situation va concourir à ton bien. Elle n'est pas là pour te terrasser, elle n'est pas là pour te détruire. Tu ne mourras pas avant ton heure, cela n'arrivera pas au nom suprême de Jésus. Or, j'entends une femme qui est en sanglots, larmes, peinée. On t'a accusé, ton mari même t'accuse de l'avoir trompé, alors que tu ne l'as pas trompé. Les gens racontent des histoires sur ta personne. Dans ton église, même les gens t'accusent. On dit tu sois avec ton pasteur. Ce n'est pas vrai. Et tout le monde croit ce qu'on a raconté. Reste calme. Dieu est celui qui justifie. Il est celui qui justifie. On t'accuse d'avoir mis la main quelque part. Tu as un ministère de puissance. Il y a la guérison. Tu as des paroles de connaissance. Les gens t'accusent de faire du faux. Reste calme. C'est Dieu qui justifie. N'essaie pas de te justifier toi-même. C'est lui qui t'a appelé. Il t'a doté de cette grâce. Il t'a accordé ses dons. Il va justifier par sa puissance véritable. Au nom suprême de Jésus. Et je vais plus loin. Les gens te disent, mais tu dis que tu es enfant de Dieu. Pourquoi donc telle chose t'arrive? Pourquoi telle chose arrive dans ta maison? Pourquoi tu vis ces moments de tribulation? Pourquoi tu as perdu ton emploi? Reste calme. Je me rappelle à l'instant un homme à qui j'avais donné une parole. Et je lui ai dit, je vois Dieu t'élever. Et quelques semaines après, il a perdu son travail. Et cet homme a commencé à raconter à tout le monde que ce gars n'est pas, c'est la parole que Dieu m'a donnée n'était pas une bonne parole. Et donc, quand il est revenu me voir, je lui ai dit, je sais que Dieu m'avait dit de te donner cette parole. Et après, un autre jour, il était assis dans la foule, découragé, et j'entends le Seigneur qui me dit, je t'ai fait perdre ce travail, parce que ce n'est plus la saison pour toi d'être un employé, mais d'être un employeur. Et donc, justement, il a reçu une idée divine, et il a quitté l'étape d'employé pour devenir un employeur. Peut-être que Dieu avait juste permis qu'il quitte cet emploi, parce qu'il aspirait à quelque chose de plus grand. Et la société dans laquelle il travaillait ne pouvait pas lui donner, justement, les choses auxquelles il aspirait. Aujourd'hui, c'est un chef d'entreprise, et les choses sont en train d'être davantage bien pour lui. Oui, donc le fait d'avoir été chassé d'une entreprise ne veut pas dire que c'est la fin pour ta vie. On t'a peut-être poussé justement dans l'accomplissement des desseins de Dieu pour ta vie. Imagine Moïse, quand Moïse sort d'Égypte, quand il est en train de fuir dans le désert. Oh, tout le monde écrit, alors on est insensé, comment est-ce qu'il a pu quitter l'Égypte? Il était destiné à être premier ministre, comment est-ce qu'un successeur de son père, mais comment est-ce qu'il peut laisser une telle gloire pour aller défendre les Égyptiens? Mais bon, pendant 40 ans, on l'a oublié, mais Dieu ne l'avait pas oublié. Ça faisait partie du processus. Au temps marqué, Dieu s'est révélé. Dieu justifie toujours ce qu'il appelle. Quand Moïse est revenu en Égypte, c'était dans une gloire sans pareil. Il avait entre ses mains la Vierge. Il
avait entre ses mains l'autorité du divin. C'était une autre expérience. C'était un autre Moïse qui avait été transformé, qui avait été changé, qui avait été visité. Que cela soit ta portion, que la main de Dieu soit sur ta vie et que la justification divine soit ton partage au nom suprême de Jésus. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu endures, que ce soit le cas de manque d'argent ou même alors simplement, tu as besoin d'un homme, tu n'es pas encore marié. Et puis on dit, mais bon, depuis que tu as répondu à l'appel de Dieu, depuis que tu es dans ces églises-là, pourquoi les choses ne marchent pas pour toi? Toutes tes sœurs sont déjà mariées, mais pas toi. Laisse-moi te dire, le temps de Dieu est arrivé pour toi. Dieu sait justifier ceux qu'il appelle, toutes choses concourent à ton bien. Le jour de ton mariage, ce sera plus glorieux, ce sera plus rayonnant encore, parce que la main de Dieu et sera là pour démontrer et attester que tu es vraiment le choix de Dieu. Ne te décourage pas, n'abandonne pas. Ceux qui se découragent, ceux qui abandonnent, ne sont jamais des vainqueurs. Les vainqueurs sont ceux qui ont appris à ne jamais abandonner. Les temps difficiles arrivent, ils sont peut-être là pour toi, mais sache une chose, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Continuer d'aimer Dieu. C'est quand on aime Dieu que toutes choses concourent à notre bien. Quand on l'aime, quand on ne lâche pas sa main, quand on continue d'adorer, quand on continue de lire la Bible, quand on continue de témoigner, quand on continue de prier, quand on continue de jeûner, ne déchire pas ta Bible. Non, ne déchire pas ta Bible. Dieu ne t'a pas menti. C'est lui qui t'avait parlé. Toutes choses ont concouru à ton bien. Tu n'as pas encore vu. Reste calme. Jésus même, pendant 3 jours, ses disciples l'ont abandonné. Ils sont partis. Il est mort. On a publié partout. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Ce diseur de bêtises est mort. Celui qu'on a couronné d'une couronne d'épines, il est mort. Celui qui se faisait, qui prétendait être le roi des Juifs, il est mort. Pendant 3 jours, ses disciples sont même partis à la pêche. Mais Jésus est ressuscité le 3e jour. Pourquoi? Parce que même sa mort a concouru à son bien. C'est ainsi donc que par cette obéissance suprême, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les autres noms, afin qu'à la mention du nom de Jésus, toujours nous fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je vais te dire une chose, l'obéissance ne va jamais te décevoir. L'obéissance à Dieu est toujours source de grandes bénédictions. Quelle que soit la tribulation, quelles que soient les épreuves, quelle que soit l'adversité, demeure fidèle à ton maître. Il a la capacité d'amener à la vie ce qui est mort. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Si Dieu est pour toi, personne ne saura être contre toi. C'est ce que la Bible dit. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce l'épée, la nudité, la tribulation, le manque? Quoi? Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Car nous savons, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus a payé le prix. Il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Frère, je ne fais plus cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Je veux vivre pour lui. Quelque soit ce que j'endure. Certains d'entre nous, on doit porter notre croix. Elle n'est pas facile, elle est difficile, elle est lourde. Souvent même nous trébuchons, mais il faut se relever. Le juste tombera cette fois, se relèvera cette fois. Amen. Ne te laisse surtout pas abattre. Lève tes mains dans sa présence. Commence à parler en langue. Commence à adorer le Seigneur. Commence à bénir Dieu. De ce qu'il y a une porte de sortie, de ce qu'il y a une porte de sortie pour toi, il y a une issue de secours. Dieu est avec toi. Il ne t'a pas lâché. Il est glorieux, il est puissant, il est majestueux. C'est juste un Dieu extraordinaire. Oui, un Dieu puissant, un Dieu glorieux. Et souviens-toi d'Abraham. Abraham a cru que justement, après 100 ans, près de 100 ans, c'était impossible pour lui d'avoir un héritier. Mais toutes choses concourent bien de ce qu'aime Dieu. Il a vu la grandeur de Dieu dans la faiblesse de son corps. La femme d'Abraham, Sarah, a vu la puissance de Dieu par la faiblesse de son corps. Elle avait déjà traversé l'horloge biologique lui permettant d'avoir un enfant. Mais justement, le fait qu'elle avait passé l'âge a concouru à son bien. Elle a eu un enfant surnaturel. Elle a eu un témoignage glorieux. Souvent, Dieu complique les choses pour nous qui sommes appelés. C'est facile pour les autres, mais c'est compliqué pour toi. Oui, parce que Dieu veut te donner un témoignage. Cette situation va concourir à ton bien. Le prophète a dit, versez de l'eau sur les sacrifices. Versez encore beaucoup d'eau. Et puis, c'est ainsi que le feu est descendu sur les sacrifices. Comment est-ce que ça peut s'expliquer? Comment le feu peut brûler sur l'eau? Il connaissait Dieu. Il savait que ce Dieu-là, plus c'est compliqué, mieux c'est simple pour lui. Dieu aime intervenir quand la température est arrivée justement à son summum. Rappelez-vous de Shadrach et Abednego dans la fournaise de feu. Ils étaient trois,
Mais il y avait un quatrième homme. Tu n'es jamais seul. Quel que soit le feu, quelle que soit l'épreuve, il y a toujours le quatrième homme. Et ce quatrième homme, c'est Jésus-Christ à tes côtés. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Prends courage, sois ferme, tiens ferme. Dans ton âme, confesse, déclare, affirme. Tu n'es pas seul. Lève ta main vers le ciel, confesse la parole de Dieu. Ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas abattre du tout pas. Ne te laisse pas abattre. Sois fortifié, sois encouragé par le Saint-Esprit qui prend le total contrôle de ta vie et sois restauré au nom suprême de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité.